Le propre du langage, quel qu'il soit arabe, anglais, le propre du langage, c'est indiquer le sens sans le dévoiler. Ceux qui ont fait un peu de la philosophie du langage, ils savent que le langage, il indique et voile en même temps le sens. Il procède toujours par parabole, il approche les significations. Il ne faut jamais prendre les mots dans une signification absolue parce que le sens du mot est en fonction de son usage. On le voit dans le Coran, le mot « dhan » il a multiples significations, c'est le même mot. Parfois le « dhan » veut dire le doute, parfois cela veut dire la suspicion, parfois cela veut dire la croyance, parfois dans le Coran cela veut dire la certitude. Vous voyez le spectre sémantique d'un seul vocable. Et le sens de « dhan » est en fonction du verset, en fonction de l'usage, ce qu'on appelle la pragmatique du langage. Un mot, il peut être compris dans un contexte particulier, avec une signification particulière. Le même mot, dans un autre contexte, dans une autre culture, il peut prendre une autre signification. Donc il faut toujours chercher ce qu'on appelle « ma'na ». Il faut chercher au-delà du mot le sens. Donc, « kullashé » dans le Coran ne veut pas toujours dire dans l'absolu. Par contre, quand il dit « inna Allah ala kulli shay'in qadir », Dieu est là, il est capable de toutes choses. Là, il faut le prendre dans l'absolu parce que l'acte de Dieu est absolu. Mais quant à la révélation, on sait que Dieu il révèle par fragments. Et ce qu'il révèle ne correspond pas à tout son savoir. Puisque Dieu, il a dit dans le Coran lui-même que toutes ses paroles ne peuvent pas être contenues dans un seul livre. Ses paroles sont infinies. Donc elles ne peuvent pas être résumées, finies, comme si Dieu, sa parole est finie. Or Dieu est infini. Tout ce qu'il y a dans le Coran, ce sont des paroles de Dieu, mais toutes les paroles de Dieu ne sont pas dans le Coran.